le vulcanologue traverse le détroit où se situait autrefois le légendaire volcan. Apparu 44 ans après le cataclysme, le Anak Krakatoa, ou enfant du Krakatoa, est l'un des volcans les plus actifs au monde. Ici, le glissement d'une plaque tectonique sous une autre provoque l'éruption de lave en fusion à la surface. Depuis les années 50, le volcan grandit en moyenne de 4 mètres par an. Le Anak Krakatoa est un volcan en forme de cône classique, avec un seul sommet. En 1883, le Krakatoa était constitué de 3 sommets, et les gens pensaient qu'il y avait 3 petits volcans. Mais c'était une grosse erreur, parce qu'en dessous, il y avait une seule chambre magmatique. Et quand celle-ci a explosé, la quantité d'énergie libérée était telle que toute l'île a été détruite. Plusieurs centaines de colons européens vivent alors dans la région pour faire le commerce des épices, qui prospèrent sur le riche sol volcanique. Il y avait un colon hollandais en particulier, Roger Verbeek, qui était géologue, et il a passé l'été précédant l'éruption à étudier les îles. Les écrits de Roger Verbeek ont joué un rôle crucial dans notre compréhension de l'éruption. Nous sommes le dimanche 26 août 1883. Des explosions de plus en plus violentes se succèdent. Les bombes volcaniques, que l'on trouve un peu partout sur les versants du Anak Krakatoa, permettent de mieux comprendre la violence du phénomène. Celle-ci est grosse, à peu près de la taille d'une voiture. Et autour de moi, il y en a 2 ou 3 autres d'un diamètre similaire. Mais en 1883, pendant l'éruption, le ciel devait être rempli de centaines de bombes volcaniques, projetées pas seulement à des centaines de mètres, mais à des dizaines de kilomètres. C'était littéralement une pluie de feu.